Puis tiens, la pâte est vraiment consistante. Non, vraiment, vraiment là. Salut à tous, c'est Crimo. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas très très bien parce que de ma part, ça va très très bien. Tu vois, le confinement, franchement, au bout d'un moment, le confinement, tu vois, ça saoule. Mais c'est mieux que les courses, c'est ce que je veux dire. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une simple vidéo, mais non, pas une simple vidéo. Une vidéo dégustation. Mais une vidéo dégustation qui me trottait telle une trottinette dans la tête. Bref, du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un tacos, mais au Kinder Bueno White. C'est mes Kinder préférés, ouais. Les Kinder, les best. Du coup, voilà, comme j'ai dit, j'espère que ça va très très bien. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça, faut pas hésiter. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, la chaîne, elle grandit et on fait des vidéos encore meilleures. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo si elle te plaît. Si elle te plaît pas, mets un like quand même. Voilà, n'hésite surtout pas à partager aussi. Très important de partager parce que c'est comme ça que la chaîne elle peut grandir. Je vous remercie à tous ceux qui font ce que je dis parce que franchement, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best. Bisous. Bisous à vos temps, quoi. Du coup, voilà, je vais tout simplement vous montrer comment je vais préparer le tacos. Et puis voilà, après on va passer à la dégustation. Hein. C'est parti. Hein. Du coup, la famille, on va mettre les Kinder dedans. Mais j'avais une idée. Pour pas que ça soit trop sec, on va mettre du Nutella. Mais vraiment un petit peu, tu vois. Vraiment un petit peu, juste pour pas que ce soit écœurant. J'en ai mis vraiment un peu. C'est juste pour pas que le tacos il soit trop trop sec, tu vois. Vraiment un peu, pas beaucoup, genre. Parce qu'après, sinon, ça va être trop sucré. Je pense que ça va être écœurant. Ah, en vrai, je sais pas si ça va être trop sucré. Hein. Du coup, voilà, c'est bon. Là, bon, on dirait une chasse étalée sur la pâte. Mais vous inquiétez pas, tu vois. On voit bien. Là, on va commencer à étaler tout simplement les Kinder. Tu vois ce que je veux dire? Pouah! Esto magnifico! Esto magnifico! Ico! Ico! Esto magnifico! Ico! Ico! Esto magnifico! Esto magnifico! Esto magnifico! Esto magnifico, focus! C'est vraiment magnifique! Du coup, voilà. Là, on va mettre une deuxième barre. Un carré comme ça, un carré comme ça. Hop, du coup, voilà la famille, je vais juste fermer le tacos. Tac. Hop. Tu vois, ça, c'est la pliure du professionnel, ça. Tac, tu fais comme ça. Attends, on va le faire pas trop gros, tu vois, parce que j'aime pas après, sinon c'est dégueulasse. Hop, tac, t'arrives. Du coup, voilà le tacos. Ouais, bon, il ressemble un peu à rien, mais t'as vu. Bon, on va le faire cuire et du coup, on se retrouve juste après quand il est cuit, tu vois, c'est parti. Voilà, là, je viens de cuire le tacos. En fait, ça a cuit que là où il y a les carrés. Du coup, je sais où croquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti. Bon, du coup, je vais l'ouvrir. À ne pas reproduire à la maison. Comment attraper le diabète? Ah ouais. Bon, il est fat. Il y a tout le chocolat blanc qui a fondu à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Tout d'un coup, j'ai un peu moins confiance là. Bon, on va taper un premier croc là dans le petit truc là. Il y a un carré. Je vais le goûter pour voir si c'est bon. C'est bizarre. C'est un goût de tacos au Kinder Bueno White. Vraiment pas mal. Je pensais que ça allait être plus sucré que ça, ça passe. J'ai eu raison de pas mettre beaucoup de Nutella. Bon, on a que de la pâte et du Nutella. Puis tiens, la pâte est vraiment consistante. Non, vraiment, vraiment là. A few moments later. Désolé la famille. Oh la pâte, elle voulait plus. Oh, elle était infinie. Oh, elle est infinie, ça fait une heure que je suis en train de mâcher, elle est infinie. Elle voulait pas partir, tu sais, part, descend au bout d'un moment, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voulait pas. Bon, du coup, on va taper un croc. Ouais, attends. Déjà, on va enlever. Ouais. Ah ouais, la gaufrette. Par contre, la gaufrette chaude, je suis pas trop fan. C'est magnifiquement dégueulasse. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un peu. Franchement, je le conseille pas. Je le conseille pas, pas du tout. C'est pas dégueu parce que t'as le goût du Kinder Bueno en bouche. Le Kinder Bueno, tu peux pas me dire c'est dégueulasse.
Mais t'as la gaufrette qui est chaude, le chocolat blanc qui est chaud, c'est bizarre, c'est. Je sais pas si on voit bien à l'intérieur. Oh. Là, ça commence à être sucré, là, tu vois. Je sens le diabète venir en moi comme ça, comme le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit. Oh, c'est dégueulasse. Matt, attends. Ah, il y a tout qui a fondu, là. Attends. Mais il a fondu, il y a tout qui est tombé dans le tacos. La gaufrette, elle est devenue molle, bizarre. Je déconseille fortement. Appelez mes avocats. C'est annulé. Annuler ça. C'est annuler la vente. C'est horrible. C'est infect. Bon, la famille, je peux pas finir. Il reste ça, mais je peux pas finir. Il n'y aura pas de gaspillage. Je vais le passer à des œuvres, mais. Ouais, non, je peux pas. Franchement, j'y arrive pas. Voilà. Je peux pas. Il reste à peu près ça, quoi. Ça, il reste rien, quoi. J'ai mangé plus de la moitié, mais je peux pas. Ça commence à devenir. Ça me donne envie de vomir. Bon, en tout cas, il fallait que j'aie le cœur net pour le goût que ça ait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, bah franchement, je suis un peu déçu du goût. Je pensais que ça allait être un truc bon de ouf, bon de ouf. Mais je m'y attendais à ce que ce soit sucré comme ça. Du coup, n'hésitez surtout pas à me donner d'autres idées en commentaire de tacos. Si vous voulez voir des idées genre, du style, fais un tacos, je sais pas moi, un tacos Kinder Bueno normal ou tacos Kinder Bueno, je sais pas. Voilà quoi. J'accepterai avec grand plaisir vos défis, sauf si tu me dis de sauter d'un lac pour frapper une vieille, coucher un vieux, le défoncer, lui voler son argent. Voilà, ça je vais faire caméra. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. N'hésite surtout pas à mettre un gros like comme ça là. Voilà, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à t'abonner, à partager en bas. Comme je l'ai dit, tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, on sait aussi égal à la fin de la vidéo. Du coup, voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, tu vois. Mais bon, je peux pas le terminer. Mais il y aura pas de gaspillage, mais je peux pas le terminer. Parce que j'ai envie de vomir, quoi. Voilà, bah c'était tout pour cette vidéo, pour cette simple vidéo. Et puis voilà, quoi, on se dit ciao pour une prochaine vidéo. Peace!